J'ai pas rechangé les touches parce que ces touches là pour manger, ça pour utiliser, après ça c'est toujours rené et ça sautait, mais c'est de la grosse merde ces claviers souris, c'est chiant, c'est injouable le clavier souris. Acheter des manettes, je vais foutre des manettes de PS4 en Bluetooth sur Mac. C'est quoi cette logique là? 7 épisode 5. Go. Ciao. Je crois que vous avez compris le temps du jour. Soleil. Bien alors ce matin j'ai fait du feu. Ce qui fait que donc toute la matinée donc j'ai fait du feu. Parce qu'une seule solution c'est la manifestation, vous le savez. Mais ce qui fait que du coup vous êtes amputé d'une demi-journée de vlogging. En même temps il n'y avait pas grand chose. Cet après-midi, je vais essayer de regarder, j'ai un poste radio que j'ai récupéré chez quelqu'un. Il y a un petit souci, on va essayer de regarder ça. Je crois qu'il y a un petit souci avec les boutons. Il y a un bouton pour choisir la FM, puis les autres machins là. C'est ça qui déconne, donc on n'arrive plus à le passer en FM. Ben, on va regarder, je pense que j'ai une solution. Alors la solution simple, c'est-à-dire juste le souffler un petit peu parce que c'est de la poussière. Et dans ce cas-là, ça refonctionnerait correctement, il n'y aurait plus de faux contacts, etc. Mais la solution, entre guillemets, désastre, c'est de dessouder le switch, le bouton switch, et de souder un pont entre sur le pin de contact de la FM et à mon avis il y a une masse quelque part sur ce bouton là. Donc entre la masse et le pin pour sélectionner la FM, c'est de faire un pont, voilà, clairement et simplement, d'enlever le bouton et de faire un pont entre les deux. Et puis voilà, il restera en FM parce que de toute façon on n'écoute pas le reste des ondes en France. On écoute juste de la FM. Je me rends compte que je baigne trop dans la technologie. Et puis alors il y en a encore toute une boîte là. J'ai un vieux clavier ici. Et puis tout un monde bordel là-bas, c'est n'importe quoi. On va essayer d'aller bricoler. Merde. Je l'ai réveillé. C'est mon chat est très gentil. Tu dis un mot pour le vlog? D'accord. Très intéressant, merci beaucoup. Le voici, le poste radio en question, là. Il a 8 ans, ce poste radio-là, et si au bout de 8 ans, c'est déjà foutu, et bah, écoutez-moi ça, c'est que c'est de la merde, voilà. Et alors, dans ces cas-là, une seule solution, c'est la manifestation. Merde, trop petit. C'est là que tu sors l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. J'ai le bon tournevis, on peut y aller. Alors c'est très bizarre, les vis étaient vraiment serrées, bloquées, et les vis sont un peu dures, sont très dures. C'est très bizarre. Donc là, l'objectif, ça va être de dévisser toutes les vis et d'essayer d'ouvrir le capot qui est ici.
Alors c'est un poste qui peut fonctionner sur secteur ou avec des grosses piles, ce que vous êtes en train de voir là, plus encore en dessous des petites piles de backup. Donc ce qu'il faut comme pile ici, c'est des LR20, donc vraiment des grosses, il en faut 4, et en dessous les piles de backup c'est des petites, ça doit être des AAA je pense. Ouais voilà, c'est des triple A ou des LR3. Pour les piles en LR20, là c'est du D. Voilà, pour ceux qui le demanderaient. Ok. Ouais, bon. Je vais arrêter là, je suis en train de tout péter. Donc, faille. Opération poste radio échec. Bon, cette personne m'en voudra pas hein, pour ce que je fais. Voilà, putain, ça claque. Il a fini ses mises à jour, lui. Du coup, on est repassé sur Windows 10. Il nous reprend toute la connexion Internet qui vient de la box pour faire ses mises à jour. Il monopolise tout. Donc, c'est compliqué pour aller sur Internet quand il fait ça. Il est encore là. Bon. Ça, c'est le 2. Hein. Il y a le 0 qui est ici. Vous verrez ça lundi, dans le dernier 7. Vous verrez les deux ballons gonflés à tous les coups. Je ne pense pas... Bon appétit. Je ne pense pas que ces mises à jour vont retarder cet épisode. Je crois que je suis fou de penser ça, mais réellement. Je crois que je suis complètement taré de penser que je vais pas prendre de retard à cause de ça. Bon appétit. C'est important de bien se nourrir. Mmh. Ah putain, qu'est-ce que vous ratez ? Oh, nique sa mère, c'est bon. Oh. Alors en plus d'un chat, j'ai un lapin à la maison. Il s'appelle Bernard. Il a 45 ans. Il est pas très futé. Enfin, je sais pas, mais... Regardez-moi ça. Putain, il sent pas la race. Ouais, il sent pas la race. Il est filmé, gros. Non ? Il est dehors ? Putain, on dirait Jean-Pierre Pernaud. Ça va aller en fait. Bon, allez, globalement, ce 7 est terminé. Merci de l'avoir suivi, c'était l'épisode 5. Je fais pas souvent des fins comme ça sur les... Demain, épisode 6, on doit aller chez un pote pour son anniversaire qui tombe le même jour que le mien, mais il le fait un jour avant. C'est au soir et tout, donc j'espère qu'on pourra faire des trucs, hein, des petits machins, là. Oula, oula. Ouh, c'est important ce qu'il vient de me faire, lui. Ouh. Je suis pas sûr de sortir ce truc à l'heure. Qu'est-ce qu'il mange ? Je suis pas très très serein, tu vois. C'est pour ça que j'ai une page Facebook. J'écris à chaque fois de... Je suis peut-être... là, j'ai une page Facebook. J'écris à chaque fois... quand je sors une vidéo, je l'écris. Si elle est en retard, je vous préviens. Abonnez-vous. Ça, vous serez toujours au courant des vidéos que je sors avant. Je vais... Oula, putain, je vais vraiment pas finir. Hein. Je vous préviens, je sais pas, mais... C'est très bizarre, hein. C'est très chelou. Hein. Je regrette Windows 7. Hein. Ouais. Over.